Initiating system 1. System 1 loaded. Et how are you? C'est Guncho, je suis de retour sur Fallout 4 pour continuer mes aventures. Donc, suite à l'épisode où j'ai, défoncé Kellogg, puis trouvé la suite pour retrouver mon petit enfant. Donc, voilà, et là, en attendant, je suis passé dans un hôpital qui est pas trop loin. Donc là, je vois qu'il y a du sang, donc c'est vraiment cool pour moi. Je pourrais me faire plein de steampack. Voilà, en tout. De toute façon, je suis lourd comme une pierre déjà. Donc là, je récupère le sang. Ah oui, du sang. Je vais pouvoir faire plein de steampack ou autre chose. Ok. Ça y est. Du bouffe tout. Du psycho. Hop. Moi, je dis pas non. Donc, voilà, j'ai fouillé tout. Ok. C'est quoi ça, c'est là. Ça, c'est à côté. Donc, c'est bon. Alors, pousse au Kanigou. Ça. Kanigou. Ok, bon. Là, j'ai fini. Tac. Là, je cours vite pour quelqu'un qui est en surpoids. Ok, bon. Là, je peux sortir par là. Ok. Poche t-shirt. Je ne sais point où je suis. Ah ouais, j'étais là. Clinique Faragain, ok, il est là. Faragain était là. En fait, quand j'ai vu le Kanigou, en fait, je sais pas où en aller, quand, en fait. Donc là, c'est pour rentrer. Ok, partir jusqu'à Nick. Et voir le scribalène, ok. Ok, ça je l'ai récupéré. Retrouvaille, ça je vois plus tard. Pas de truc perdu, je crois que je vais faire ça. On va faire ça. Donc ça, il faut retourner vers le machin qui est là-bas. Il y a un truc patriotique, je sais pas. Je vais m'avancer là-bas pour voir si je peux trouver un établi haute pour enlever les surpoids que j'ai sur moi, du moins. Ou si un vendeur, je sais pas, je vais se retourner. Au moins, il y a une armure là-bas, enfin. Ouais, je pense que c'est une armure, ouais. Apparemment, c'était de l'armée, donc à mon avis, l'armée américaine. À mon avis, il doit y avoir plein de trucs intéressants. Ok. Irrat de cafard irradié, cool. Ça m'a l'air intéressant parce que j'ai mon autre armure, vous savez, suite à ce connard là qui m'a. qui m'a pris mon armure. Donc, on va faire ça. On va faire ça. R. Ça. Tac. Ça je vais les mettre là-dedans je pense. Ouais c'est du combien c'était 60 ça c'est ouais c'est des petits. On va mettre ça là-dedans. Je vais demander à mon toutou. Hop. Toutou. Changer. Là. Changer. Alors tenue. Je crois que j'ai quoi normalement. Ok, j'ai récupéré ça. Ok. Allez, on ouvre ça. Tac, on l'allume. On entre dans la jolie bestiole. On fait la petite table. Ça se fait du bien quand même. Je récupérais un exosquelette. Tiens, je peux mettre cela, tac.
que ça. C'est qui pas mal. Je peux mettre aucun. Ça, je pourrais le mettre, ça. Mais il faut que j'aille forgeron niveau 3. Ok. Bon, mais suite à une réparation éclair de mon armure, tout va bien dans les meilleurs des mondes. Donc voilà, c'est fantastique parce que je vais pouvoir repartir avec. Du moins, je serai plus vraiment. Oh, une école. Oh, la colle! Je vais tomber sur un stock de colle. Renaud de mouton, est-ce qu'il y en a dedans? Il n'y a personne. Ok. On peut là, hop, je récupère mon armure toute. On va dire toute neuve. Voilà. Là, ok. Bon, c'est parti. Et normalement, pour porter le poids, normalement, ça doit le faire. Normalement. Moi, je trouve un truc pour crafter ici. Je le prends, je suis vraiment content qu'il y ait du scotch ici. Donc voilà, bon, ben on n'a plus qu'à essayer de trouver un établi du moins. Peut-être là? Non, un peu. En tout cas, bon, ça s'est fermé, on peut pas entrer. Ok, là c'est juste des briques avec un truc, ok. Ça, je sais pas, non, ça sert à rien. La colle marche pour marcher, ok. Bon, il y a que dalle. Hein. Bon, ça. Le problème, c'est que je sais pas où je suis. Ça va pas le faire. Après, j'ai la station Berland là-bas. Peut-être y aller à la station. La station sauterage vers là-bas, ok. On va devoir avancer tout droit. Au pire des cas, je récupérerai des trucs sur le chemin, je mettrai en banque là-bas dans la petite communauté. Tout en gardant les trucs intéressants comme le scotch et tout. Consommer en boisson pour me mettre un coup de fouet, tiens. Ça, je suis bien équipé, regarde, quand okay, même, ça va. Équipé en mode, peut-être des modes, ouais, j'ai tous ces modes là, il faudrait que je peux les vendre en fait. Ouais, ça se vend, ça, je me rappelle, parce que normalement, quand on équipe un mode, en fait, le mode ancien il tombe dans l'inventaire. Voilà. Très proche là, c'est bon, ça le fait. Bon, on va à Daillon. Ok.
bon endroit. Même pas. C'est pas là. On va tuer des munitions bas bas level hein. Un gentil ennemi ou un méchant ennemi? Mais... Un tic, ok. C'est un méchant ennemi. Sérieux, c'est moi qui ai fait exploser les caisses là? Si c'est moi, je suis vraiment désolé. En plus, c'est une armure assistée, c'est cool. Enfin, je repasse un de ces jours ici. Une armure assistée juste là quoi. Ok. Je repasserai. Par contre, ouais, j'aurais c'est bon ça, j'ai 8 corps. Mais j'ai intérêt à pas faire des yeux aux os. Allez! Allez, soldat rouge, avance! Oh, ça va être que des cartouches. Ouais, je m'approche de là-bas. Putain, j'aurais pensé que ce soit un automatique, mais non, c'est coup par coup quoi. Comme j'aurais testé l'arme que j'ai looté sur l'autre là. Oh, excusez-moi. Ah. Putain. Bon, j'espère que tout va bien. Mais je veux pas savoir. Ok, apparemment il y a des raiders qui sont en haut ici donc voilà, peut-être qu'il y a un truc, une table là, pour réparer. Je vais me faufiler là-haut. Telle une vipère qui arrive dans un terrier de lapin. Ah mais Kanigou, s'il te plaît, le mec il se TP sur là où je suis et il tombe comme une chaussette par terre. Je vais voir là-bas, on va essayer de voir si c'est amical, gentil ou si c'est pas gentil. De toute façon j'en mets une balle chacun dans la gueule, ils vont dire ok bon, on laisse place. Hein. Ok, ça pue. Ok, c'est sorti. What, c'est quoi ça?
C'est quoi ça? Grenade! J'ai pas un fait, man! Non, t'es sérieux, j'attends. T'es sérieux, Gunshu, là? Ouais, je suis sérieux, bitch. Prenez ça, bitch! Non mais sérieux là? Je tire comme un pied avec cette arme. Pétard. Ils étaient longs ceux-là, eh. Putain, j'ai fait un carnage quand même, hein. Ils sont sautés par la... Merde, oh, j'ai pris ça. Et que je crois qu'il y a certains cadavres qui sont partis dessous en fait. Là il y a des cadavres qui ont dû tomber par terre en bas. C'est pas bon. Ok, je vais dans un échangeur. Bon, franchement, j'espère qu'il y a un truc pour crafter. Je sens que sinon ça va faire chier. Ah si, là. Ça pue!
pensais qu'il y avait plus personne. Je comprends mieux, c'est un commandant. Oh, j'ai cassé la tête. Sérieux là? Alors pourquoi je t'ai tué? Je fais belle voix. Encore du monde apparemment.
Attention. Allez, Canigo, viens là. Restez en position. Putain, mais... Par ici. Arrête de bouger. Est-ce que je peux lui donner des choses? Je te passe le Fat Man. Putain, je suis à 500 poids. Bon, les armes, je crois que je vais les garder. Et certaines armes, je vais tous les dez. Par peut-être la 10 mm. T'as du poids, tu pèses aucun dégât, donc ça va, ça. C'est bon. Alors, viens voir. Ah tiens, tenez, là il y a un truc intéressant. Excellent. Un grognac, ça c'est énorme. Ça. Un grognac. Je le prends moi le grognac. Allez, on voit le truc établi là. Bon, j'ai un petit peu réduit, mais ça suffira pas. Qu'est-ce qu'il fait si lourd? Ah si, ça a du poids. Finalement, s'il y a des choses qui sont pas cassées, qui prennent du poids. Okay. Je vais mettre là. Voilà. Et me dites que pas que je suis lourd à 369, mais j'ai misé. J'aurais plus qu'à toucher, fake. Parce qu'à un moment où j'étais bloqué, où je faisais que avancer comme ça et... J'aurais plus qu'à toucher. Donc voilà, en fait là je vais rentrer à ma base, je vais faire mes petites affaires
Et je reprends l'histoire après. Donc voilà, c'était Gunshow. Bye bye.